Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis désolée si vous entendez le bruit de fond d'un aspirateur. Je ne peux pas faire mieux. Et sinon, si j'attends que ça soit passé, eh ben, la vidéo sera postée un petit peu en retard. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux. Mais en tout cas, voilà, on va aujourd'hui faire le dernier étage de cette maisonnette. De ce dortoir pour enfants, si vous voulez. Et donc là, on va faire l'étage d'érige où il y aura vraiment des... belle chambre que pour une personne. On va passer ton côté et on va faire tout ça. Donc on va ajouter déjà premièrement plusieurs choses. Donc on va ajouter des murs. Alors on va ajouter une première chambre qui sera celle-ci. Comme ça. Et qui va partir par là après. Et un petit peu mieux là. Toc, comme ça. Valider. Et celui-là, on peut l'enlever. Comme ça, ça nous fait une assez grande salle. Et on va faire la même chose un peu partout. Donc là, même chose. Je suis vraiment désolée pour les bruits que vous entendez. Voilà, validé. On va aller pour cette deuxième salle. Attendez, c'est même ça. Donc ça fait ça. Et on va rajouter aussi deux salles. On se met en 2D. Attendez, alors on va ajouter un mur comme ceci. Donc là. Valider. Comme ceci. Même chose pour là. Donc là, on va quand même l'agrandir un peu. Pour pouvoir y entrer. Et là, on va faire une petite pièce. Ah non, désolé. Donc là, un pareil me plaît. Mettre une lampe. Mettre une horloge vintage. Donc, et après, on va ajouter un petit mur là. Validé. On va voir ce que ça nous donne en 3D, tout ça. Ça nous fait quand même beaucoup de salles. Mais c'est bien. Maintenant, on va rajouter des portes. Donc, bien sûr, on arrive par là. Donc, on va ajouter des portes. Porte-fenêtre. On va en ajouter des porte-fenêtres comme ça, parce que je trouve que ça fait assez joli. Donc là, on va mettre l'une là. Là. On va mettre des portes. À tous ces étages là. Attendez. Toc. Donc alors. Comme ça. Et on va voir tout ce que ça nous donne là. Trois belles portes, bien jolies, qui font un peu porte-fenêtre, mais qui sont assez jolies. Très jolies même.
Alors maintenant, on va désolé vraiment pour les bugs. Alors on va se mettre en ouais. Donc dans cette première salle, on va mettre un lit superposé, lit en hauteur enfant. Hop. On met celui-là qui est pas mal du tout. C'est vraiment des grandes chambres pour un seul enfant. Pour l'instant, on va meubler qu'une chambre. Hein. Voilà, désolé pour les bugs. Donc après, on va mettre un bureau. Bureau enfant. Attendez, ça peut bugger. Enfant. Un bureau enfant. On va ajouter et qu'on va en mettre un petit peu plusieurs pour faire quand même mieux. On va en ajouter 3. Voilà, maintenant on va mettre chaise de bureau. On va mettre celle-là. Ajouter au projet. Et puis là après on va ajouter penderie, donc une penderie, enfant. Mettre plusieurs penderies, mais bon, des petites penderies comme ça sera parfait. Et après on n'a plus qu'à les mettre comme ça, et donc après voilà, donc, on va mettre là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'oublie surtout pas de liker, commenter, partager, tout ça, ce serait vraiment génialissime. Ça me ferait un plaisir, et maintenant, bye!